6, 8, 10, 12, 14. On est à 15. Bon, sénateur, fait sortir là pour faire pipi. Il est là. Il est là. Très bien. Merci bien. Article 4, lecture de l'article 4. Fais entrer les sénateurs qui sont dehors, oui. S'il vous plaît. Article 4, qui devient l'article 3. L'enseignement de l'éducation à la citoyenneté se fait par l'utilisation de matériel didactique approprié tels que manuels, supports vidéographiques, ainsi que l'organisation de conférences, de visites thématiques de lieux historiques et de monuments, commémorations d'événements. Là, ça va, tiens. Oui. En discussion. L'enseignement de l'éducation à la citoyenneté se fait par l'utilisation de matériel didactique approprié tel que manuels, supports, ainsi que l'organisation. Thématique là de trop. De trop. Thématique de lieux historiques. Oh, visite de lieux historiques ou même visite thématique de lieux historiques. De lieux historiques et des monuments. Un mot. Ah ben, on écarte purement et simplement thématique. Et puis en fait, visite des lieux historiques et de monuments. Commémoration d'événements. Commémoration d'événements. En discussion. Attends, M. le Président. L'enseignement de l'éducation à la citoyenneté se fait par l'utilisation du matériel didactique approprié tel que manuel, support vidéographique, ainsi que par l'organisation de conférences, ainsi que par avec S. Emmanuel. En discussion. Adopté. Article 5 qui devient 4. Article 4. Dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté, la participation des élèves dans les instances de gouvernance de classe est organisée afin de développer l'esprit de responsabilité, de tolérance, de conception et de mise en œuvre de projets citoyens et autres valeurs similaires. En discussion. Sénateur Dumont. Dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté, la participation des élèves dans les instances de gouvernance de classe, d'abord, je pense que nous capables de jouer une formulation qui est plus souple, qui est plus claire, qui dans la tradition, en fait, qui ça, et article Abdi, discipline. L'Abdi dans le comité de classe, que gagne, on, que chaque classe gagne un comité, et que donc gagne, c'est vote qui est fait. Par exemple, nous devons insister que c'est par élection, pour constituer comité de classe, pour donc gagner, pour apprendre, ça veut dire, en gouvernance démocratique. Ensuite, donc, je ne sais pas quand j'ai une formulation précise là, mais dans les la participation des élèves dans les instances de gouvernance de classe, d'abord, gouvernance n'a pas besoin d'un S, est organisée, il faut nous ajouter EMUR, afin de développer l'esprit de responsabilité, de tolérance, de conception et de mise en œuvre de projets citoyens et aux valeurs similaires. De responsabilité. Non. Dans la fait loi, toujours, moi, je crois que aux valeurs similaires, là, il paraît flou. Et mais autres valeurs similaires, oui. Article donc, 4. Dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté, l'introduction des élèves ou l'initiation des élèves à la gouvernance doit être organisée afin de développer l'esprit de responsabilité, de tolérance, de conception et de mise en œuvre de projets citoyens et autres valeurs similaires. C'est l'initiation des élèves à la gouvernance doit être organisée. À la gouvernance. Bonne gouvernance. Est organisée afin de développer l'esprit de responsabilité, de tolérance. Je souscris à cette formulation. Très bien. En discussion. Vice-président. Oui. Je souscris avec un ajout à la proposition de Sénateur Cantave, développer l'esprit de responsabilité, de leadership, de tolérance, de conception. Très bien, très bien. En discussion.
Adopté. Article suivant. Est-ce que vous bien écrit? Oui, sans gouvernance, sans S et machin, oui, etc. Non, leadership, très certainement, c'est le secrétariat qui s'en occupe. Ok, yeah. Oui. Article 5. L'horaire. Oui, 6 qui devient 5. L'horaire. L'évaluation des acquis en éducation à la citoyenneté. Le choix des contenus. Le temps d'enseignement à allouer. Les techniques d'enseignement, apprentissage et les autres modalités du programme d'éducation à la citoyenneté sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle. En discussion. Oh, comment l'horaire? C'est à toi, Dumont. L'horaire, c'est pas le terme qui convient. Oui, si vous dites l'horaire, ça veut dire que le ministère de l'Éducation nationale, après le 10, c'est à 6h du matin pour le fête. Oui, c'est pas bon. Ou bien c'est à 11h, ou bien c'est à minuit. Ensuite, l'évaluation des acquis en éducation à la citoyenneté, le choix des contenus, le temps d'enseignement à y allouer. Faut nous mettre pour nos personnels là, à y allouer, donc à allouer à l'éducation à la citoyenneté. Nous n'avons pas dit à allouer. À allouer à quoi? À y allouer les techniques d'enseignement, apprentissage et les autres modalités du programme d'éducation à la citoyenneté sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Donc, en place de horaire là. Oui. Et président, oui, sénateur Cadeau. Nous qu'a toujours enlevé horaire là. Maintenant, qu'à ça, le nous parler de horaire, le c'est temps horaire de par rapport à l'autre matière. Yo. Par exemple, si nous gagnons pour moi 25 heures de temps d'apprentissage, nous doit dire par exemple, je dis lui, le temps d'enseignement y alloué. Le temps d'enseignement y alloué. Tant qu'il y a alloué pour matière là, soit sous mois ou bien pour année, on relève l'horaire. Maintenant, le nous prend 70 heures par exemple pour année, n'a réparti par semaine, par jour, le ça nous emploie du temps. Deux concepts ça, une carte. Parce que nous n'avons pas passé par le temps d'enseignement. Le temps d'enseignement. Pas de problème. Même temps les protons précision. Merci. Le temps d'enseignement à la dame. On enlève horaire. Une dernière fois mise en discussion. Et puis on met à y allouer. Oui, c'est X. En discussion. Adopté. Non. C'est ça le temps d'enseignement. Dans l'ensemble. Vote de l'ensemble, il doit intervenir. Il y a l'ensemble, vous pouvez toujours revenir sur le texte. Article suivant. Article 7 qui devient 6. L'éducation à la citoyenneté se fait de manière régulière tout au long du parcours scolaire. Elle débute à la première année fondamentale et prend fin à la dernière année du secondaire. En discussion. Encore en discussion. Pourquoi? Tu vas aider se faire de manière régulière tout au long du parcours scolaire. Elle toujours en discussion. Pourquoi? À la première année fondamentale et enfin à la dernière année secondaire. Oui. Bon problème là-dedans. Eh oui. Il y a enseigné au niveau université tout. Oui. Donc, sous dit et pour enfin à la dernière année du secondaire, eh bien, ou tout déclarer pour ne pas faire à l'université encore? Non, mais il n'est pas exigeant, il n'est pas exigence. Pardon? Tu ne seras pas maintenant une exigence, comme une discipline. Comme une discipline, il n'y a pas l'université. Les conseils n'est pas ça. Il n'est pas en obligation. Ah, ok. On peut toujours l'enseigner, mais on n'est pas obligé de le faire. Ok. Une toute dernière fois mise en discussion. Une toute dernière fois. Ça va, oui, déjà. Adopté. Article suivant. Article 8 qui devient 7.
Le programme de l'éducation à la citoyenneté est adapté à chaque cycle scolaire. Il s'articule autour des thèmes suivants. 1. Au niveau primaire, la vie en société par l'étude d'une part, par l'étude, virgule. Au niveau primaire, la vie en société par l'étude d'une part du respect des personnes, la règle de droit, les droits et les devoirs, les libertés individuelles et leurs limites, l'égalité des humains, la justice, la tolérance, et par l'étude, d'autre part, du respect des biens. Ça mal formulé. Les biens d'autrui, les biens du domaine public, l'héritage historique et l'environnement. Ponctuation, vous avez raison, et sénateur Zildor. Et faut que nous voyons encore, oui, pas qu'il y ait deux points. Il n'y a pas de problème, oui. Au niveau fondamental, première correction. Quelles sont les énumérations simples? On n'a pas besoin de dire d'une part et d'autre part. Parce que. Oui. Parce qu'il paraît son seule famille. Il n'a pas besoin de d'une part et d'autre part. Ensuite, deux points qui n'ont mis taille ou pas bon, d'après moi-même. Au niveau fondamental, la règle de droit, les droits et les devoirs, les libertés individuelles et leurs limites, l'égalité des humains, la justice, la tolérance, les biens d'autrui, les biens du domaine public, l'héritage historique et de l'environnement. Oui. Oui. La règle de droit. La règle de droit, monsieur chef, monsieur qui compte tout le bagaille, qui ça le dit là? Ah, monsieur, pas moins bien, oui. Non. Hein? La règle de droit, ça se dit comme ça? La règle de droit. Nous finissons dire la règle de droit, ensuite nous dit les droits et les devoirs. Dans la Constitution, il n'y a pas mettre liberté individuelle là au pluriel. Dans la Constitution, il n'y a pas mettre liberté individuelle là au pluriel. Non? Micro. Ça, c'est la règle de droit. Ensuite, président, vous permettez? Allez-y. Merci. Pas qu'on est si les libertés, mettez liberté individuelle là au pluriel, là, est-ce que le bon? Mais ce qui est certain, c'est que la Constitution, hein, et en général, c'est la liberté individuelle, lui dit. Et article 24, section BA, il est titré de la liberté individuelle. Et ça se dit, ça, on peut lire, la liberté individuelle est garantie et protégée par l'État. C'est un concept très, très large. Commission. La commission, on corrige ou bien on garde comme ça? L'égalité des humains. L'égalité des humains, tout, oui. D'abord, liberté individuelle. Oui. Commission. La justice, la tolérance. C'est l'égalité
l'égalité des humains, l'égalité et les droits de l'homme. L'égalité signifie que tous les êtres humains ont la même valeur et doivent être traités de la même façon, okay, quelle que soit par exemple leur origine ethnique, leur orientation, etc. Ok, d'accord, d'accord. Ça existe. Okay. Non, il n'y a pas de définition. C'est l'égalité entre tous les êtres humains. Alors, la notion d'égalité, côté libéral prend tout sens, li, c'est devant la loi. Ça veut dire, pas gagner aucun citoyen qui gagne plus, qui supérieur à un autre devant la loi. C'est ça, oui. Mais nous pas capable de dire égalité des humains. Si on parle, on a même droit pour me voler au secours de sénateur Naoum Marcellus que docteur Katav. Non, l'égalité des humains, ça est plus basé sur partenariat entre les institutions nationales et la société civile en vue de promouvoir une culture des droits de l'homme et d'appliquer le principe de l'égalité des droits, de l'égalité en droit de tous les êtres humains sans discrimination. C'est ça. C'est ça, oui. Et quand vous parlez des droits, justement, quand vous parlez des droits, et les droits sont fixés, déterminés, définis par la loi. C'est pourquoi, dès que vous parlez de notion d'égalité, c'est toujours faut prendre précaution pour mettre l'égalité devant la loi. Nous sommes égaux parce qu'il y a un droit, et le droit est fixé par la loi. Président. Allez-y, s'il vous plaît. Sénateur Fosnet. Oui, et collègues, pas oublier de mettre des thèmes que nous allons lancer à des timouns. C'est-à-dire qu'il faut que les clés dans tête timoun. Le timoun a gardé bol à Kali. Il dit ouais, il y a qu'à l'école, il y a qu'à l'école, il y a qu'à manger, il y a qu'à manger. Et puis, vous dites l'égalité des humains. Il y a un problème. Moi, là, mieux comprendre ce que dit l'égalité devant la loi. Lui connaît que la loi n'a pas de discrimination. Si vous volez même sort que vous réservez à lui, c'est même sort. Mais l'égalité des humains, si vous n'avez pas posé. Parce que vous avez pensé, si vous n'avez pas réfléchi même j'avoue. Oui. Ouais, la réfléchi même j'avoue. Et parfois, vous même vous pensez, vous avez mené dans une direction. Et puis lui même tout, lui a une direction que le bras. Et ça fait fort clair. Le va penser elle ou fixer de hein c'est un principe. Oui, mais l'autre dit l'égalité des humains, les gars des gont timoun bon la kaylia qui tout temps pied à terre. Si mais nous pas capable de ça. Non, mais lui-même l'a observé et l'a fait principe là. Mais précisément pour gont timoun qui va. Mais précisément sénateur principe là pour tout timoun qui est sur là. Oui, mais pas ça lui-même. Et pas oublier il gain 7 ans ben on va dire ça. N'a fait la loi. Parce que l'abdou pour l'État assumer responsabilité pour tout timoun qui est là. Président. Oui. Si vous dites l'égalité des humains, finalement, j'ose dire que, ou presque pral bay, timoun n'a menti. Est-ce que je suis égal en hauteur, en taille, au sénateur Lambert? Je ne parlerai pas d'avoir. Non. Je pose la question. Là, c'est une loi. Je pose la question. Deuxième. Je peux continuer. Est-ce que nous tous qui là égal à sénateur Salomon qui sont polyglottes? Non. Est-ce que nous tous qui là égal dans connaissance sur l'art, sur la musique? Non. Donc, il faut préciser qui côté nous égaux. Nous sommes égaux devant la loi. Nous sommes égaux devant la mort. Oui. Parce que nous tous avons fait même gens. Nous avons gagné. Combien de chromosomes encore? 48? Combien de chromosomes encore? Chromosomes. Depuis nous, nous. Non, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. 46. Tout le monde. Nous avons même quantité de jeunes. Vous avez induit le sénateur Dumont en Oui.
Oui, donc, là, nous... Bonjour, président. Nous, tout pas même réagir des gros hommes, non, président. Ah bon? C'est généralement. Ouais, parce qu'il y a trisomie, tout. Trisomie, ouais, trisomie 21, yo. Trisomie 21, yo. Bon, c'est comme maladie. Trisomie 21, c'est comme maladie. Well. Non. Well, c'est maladie. Voilà. Donc, nous ne sommes pas égaux. Nous sommes égaux devant la loi. Eh bien, on met l'égalité devant la loi. Oui. L'égalité. Où t'es dit on va tout à l'heure? L'égalité juridique, l'égalité. Non, mais justement, la notion d'égalité n'est pas un bagage automatique. Nous ne pas parler de l'air. C'est l'air, c'est même air là, n'a pas respiré. Oui, mais précisément, pas oublier, bagay, ça a fait une grosse discussion, mais vraiment terrible, au cours de la Révolution française. Elle fait ici tout. Parce que égalité, quoi? Égalité, nous sommes tous égaux, et bien nous égales dans l'argent, nous gagnons tout. Et puis, nous dit que nous ne pas arriver juste là. Nous ne pas arriver juste là. Jusqu'à ce que nous que nous prenons partageux, parce que monsieur dit que, puisque nous sommes égaux, eh bien, on ne sait pas être comme nous gagnons. Chaque monde a la même quantité. Ah, c'est ça, je l'ai dit, oui. Est-ce qu'on a une dernière formulation et une dernière lecture, sénateur Cantave, article 6. Le programme de l'éducation à la citoyenneté est adapté à chaque cycle scolaire. Il s'articule autour des thèmes suivants. Au niveau fondamental, la vie en société, d'une part, la vie en société, le respect des personnes. Deux points, la règle de droit, les droits et les devoirs, les libertés individuelles et leurs limites, l'égalité, la justice, la tolérance. D'autre part, le respect des biens, les biens d'autrui, les biens du domaine public, l'héritage historique et l'environnement. Donc, d'une part et d'autre part, il y a placé là. Parce que c'est deux concepts différents. Il y a tout d'abord la vie en société, le respect des personnes, et d'autre part, il y a le respect des biens. Et l'égalité tout court. Non, mais l'égalité tout court. Très bien. Égalité, on dit égalité. Encore en discussion. Liberté, égalité, fraternité. Donc, à qui en discussion. Égalité. Au niveau. Ah, et au niveau secondaire. Au niveau secondaire, et d'une part. D'une part, au niveau secondaire, les principes, symboles et institutions de la République d'Haïti. Et d'autre part, l'acquisition et l'application de compétences citoyennes, notamment la participation et la contribution aux prises de décision. Au niveau secondaire, deux points. Les principes, symboles et institutions de la République d'Haïti. L'acquisition et l'application de compétences citoyennes, notamment la participation et la contribution aux prises de décision. Oui. OK. En discussion. Discussion. Adopté. Article suivant. Article 9 qui devient 8. Les acquis de l'éducation à la citoyenneté doivent être évalués périodiquement par les établissements. Ils font également partie des évaluations officielles. Ah, Article 9, qui devient 8, je reprends. Les acquis de l'éducation à la citoyenneté doivent être évalués périodiquement par les établissements. Ils font également partie des évaluations officielles. En discussion. En discussion. Encore en discussion. Adopté. Adopté. Article 10 qui devient 9. La présente loi abroge toute loi ou disposition de loi, tout décret loi ou disposition de décret loi, tout décret ou disposition de décret qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, du ministre de la Jeunesse et des Sports, du ministre de l'Intérieur des collectivités territoriales et du ministre de la Justice. À cette phase de débat, nous avons maintenant vérifié quorum, non? Avant le vote de l'ensemble. Avant le vote de l'ensemble.
combien? 15. Bon, pratiquement, l'Assemblée est réduite à 15 sénateurs. Le quorum étant donc... Vérifiez pour voir s'il n'y a pas un sénateur dehors avant le vote de l'ensemble. Avant le vote. Vous souvenez, madame. Publiquement. C'est Antoine Lambert. Oui, oui. Comment vous avez dit, les gens qui contrôlent le vote, quand ils ont contrôlé le vote après l'élection, qui est-ce que vous avez dit? Cette tabulation. J'ai calé, il n'y a pas de jambes. Non. Pour pas pour pas bon goal. Non, c'est ça. Les gars qui s'est sauvé, je vais mettre calé te couleur là. Non, pas sur pas. Non, pas tout bon. Tu vois non. Les gars gain point. Oui, OK. Mais on te dit point disparaître. Là, glisser là bas ouais non. Mais président, membre de la commission, porteur de la loi. Moi même me pensais que gagner on manque l'interdépendance des États, au niveau secondaire évidemment, qui t'a touché, l'État qui doit tout, sur les différences culturelles, qui a complété l'aspect tolérance. Là. Les Dominicains ne sont pas comme nous, nous ne sommes pas comme les Barbadiens, nous ne sommes pas comme les Sénégalais, mais nous sommes tous des humains. Et nous sommes égaux devant la mort. N'est-il pas vrai, sénateur Katav? Oui. Mais nous ne sommes pas égaux devant la mort, non? Là encore, papa. Attends. Parce que. Ok, le quorum étant infirmé, la séance est donc. Suspendu. Bien sûr, à reprise demain, avec bien sûr en première ligne le vote de l'ensemble. La séance est suspendue. Demain, 2 heures. Et je rappelle encore, demain, 2 heures. Premier appel nominal. Sénateur Sorel. Au sénateur Bélizet, oui. Ah, on va là. On va là. On va là. On va là.